Bien. Après les bronzés de Barcelone en 92, les Barjots de Reykjavik, champion du monde en 95, les Charlots qui ratèrent d'une marche le podium olympique en 96, les Costauds sont champions du monde de handball. Et voici Daniel Costantini. Permettre. Je vous en prie. Handball. Oui, j'ai dit quoi? Handball. Ah, j'ai dit handball. Oui, c'est pas grave. Je peux pas rester. Je suis d'origine germanique. Ah, ouais, d'accord. Alors, il faut dire football et handball. Voilà. Eh oui. Eh oui, oui. Eh oui. Ça dépend des origines. Et le trou de balle, ball. Il a tendu la perche. Alors, Daniel, vous êtes entraîneur de l'équipe de France de handball. Et la France, décidément, je dis, on a été champion avec les pieds. Dans le mondial et dans l'euro, maintenant on est champion avec les mains. C'est énorme. Et avec le reste, il y a longtemps qu'on est champion, donc c'est génial. Ouais, c'est clair. Vive la France! Voilà. Alors, on vous qualifie souvent d'électron libre. Et votre devise est vachement bien, c'est « ne m'en veuillez pas, j'ai eu des milliers d'adversaires ». Et c'est vrai qu'on reconnaît la valeur d'un homme au nombre de ses adversaires. Donc vous devez être quelqu'un de vachement bien. Hein. Ah, je suis blindé. Là, vous êtes blindé. Alors, le 4 février, c'est un vrai bonheur, là, parce que la France avait été donc 4e au JO d'Atlanta en 96, c'était pas terrible, à Sydney 6e, et là, c'était la victoire énorme. Après prolongation, toujours. Hein. Mm-hmm. C'est marrant, les Français. Hein. Ouais. C'est toujours dans les prolongations qui... C'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Hein. Ouais. On va regarder tout ça. Magnéto, Serge.